Excusez-moi, je fais une vidéo d'urgence parce que on a eu un petit souci ce matin. Je vais essayer de clarifier un peu les choses là. Donc là, s'il y a des techniciens qui veulent m'aider, qui viennent m'aider. Je suis dans une situation que je ne comprends pas. Voilà, en fait, ce matin, j'ai fait deux directs parce que le premier direct a été coupé. Le premier direct a été coupé. Voilà, le premier direct a été coupé suite à... Excusez-moi, je mets le code du Wi-Fi parce que je vais faire ça avec l'ordinateur pour voir. Voilà. Donc, il y a un souci en fait. 8. Voilà, ce matin, j'ai fait un direct. J'ai fait un direct, un premier direct qui a été interrompu. Hein? Un premier direct qui a été interrompu. En fait, le direct, c'est pas moi qui ai coupé. J'attendais que ça se relance. Et comme... Parce que le petit boitier du Wi-Fi, puisque je suis dans un camping, petit boitier du Wi-Fi, c'est déchargé. Et comme le petit boitier... Kéké, donne-moi le chargeur de mon Mac. Et donc, comme ça s'est coupé... Ce qui s'est passé, c'est que la vidéo est toujours comme si j'étais en direct. La vidéo est toujours comme si j'étais en direct. Pourtant, je ne suis pas en direct en fait. Le direct a été coupé. C'était le premier direct. Si vous regardez le titre, vous allez voir première partie. Donc, c'était la première partie. Et je n'ai pas coupé. Ça s'est interrompu tout seul. Mais le problème, oh, est-ce qu'il m'entend cet enfant-là? Kéké! Pardon, appelle-moi quelqu'un, s'il te plaît. Ok. Ok. Quand il y a la télé, il n'entend plus rien. Donne-moi le chargeur de mon iPad, celui que je prends pour charger le Huawei. Dépêche-toi, s'il te plaît. Donc, Il est bien, c'est je suis en. bon. Ouais. Non, pas Ouais. cher. Je suis pas Tu parles de quoi? De l'ordinateur? Oui, je sais. Oui, c'est un bijou cet ordinateur. Merci. Tu peux le brancher pour moi, s'il te plaît. Voilà. Merci. Et ferme la porte, s'il te plaît. Oh, c'est débranché ici. Ah oui, parce que je sais Ouais. pas qui c'est qui a fermé ma porte. Faut que tu rentres parce que lui là, il va rien comprendre. Oh là là. Oui, allô. Allô. Oui. Oui, tu n'arrêtes pas de m'appeler. Je peux même pas me reposer un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Oui, mais. Il faut attendre un peu, si tu m'appelles chaque 5 minutes, après ça va être bizarre. Oui, là même, je suis en train de faire un direct pour expliquer l'histoire de ma vidéo là. Tu m'as appelé il n'y a même pas 10 minutes, tu me rappelles encore, mais il faut arrêter. Ah, toi aussi. Tu n'as pas m'appeler à chaque seconde. Mon cerveau a besoin de se reposer aussi, non? Ouais. Merci, merci, mamie. Donc, je disais que j'étais en train de faire un direct ce matin. J'ai fait le premier direct. J'ai fait le premier direct. Et quand j'ai fait le direct de ce matin, je suis en direct là.
Ce matin, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas coupé la vidéo. Ça a été interrompu. La vidéo a été interrompue. Ça veut dire que je n'ai pas éteint, je n'ai pas coupé. La vidéo a continué et comme il y avait un problème de réseau, ça a été interrompu. Vous pouvez me mettre des cœurs, s'il vous plaît. Ça a été interrompu. Alors, ce qui se passe actuellement sur Facebook, on a l'impression que je suis toujours en direct. On a l'impression que je suis toujours en direct et ce qu'on voit, c'est c'est un problème de l'Afrique. C'est un problème de toute l'Afrique. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, on n'entend pas. On voit juste, c'est un problème de l'Afrique, c'est un problème de toute l'Afrique. Bon, c'est un peu bizarre. J'essaye de cliquer dessus pour relancer la photo. On dit erreur, tout. Donc, je ne sais pas si je vais supprimer cette vidéo. Je risque de la supprimer. Mais j'ai mon administrateur qui m'a dit d'aller sur l'ordinateur. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Si j'arrive à le rétablir, la vidéo va rester parce que j'ai dit beaucoup de bonnes choses dans cette vidéo. Mais si ça n'a pas pu être rétabli, je vais la supprimer. Voilà. Parce que c'est bizarre. On a l'impression que je suis toujours en direct alors que je ne suis pas en direct. Et puis, il y a une seule phrase qui vient. Ce n'est pas intéressant. Il y a même des gens qui ne sont pas intelligents qui viennent commenter, qui insultent même. Oui, c'est toi qui as des problèmes, c'est pas l'Afrique qui a des problèmes. Ils ne savent même pas que j'ai passé plus de 30 ans. Les gens ne sont pas intelligents, vous voyez, non. Ils ne sont pas intelligents. Quand ils voient les choses, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Tout ce qui est dans leur bouche, dans leur cerveau, c'est injuste seulement. Ils ne savent rien faire, ça, ils ne réfléchissent pas. Ils ne regardent même pas. Le monsieur a fait une vidéo, il y a une première partie, il y a une deuxième partie. C'est marqué dessus « vidéo interrompue ». Comme ils ne sont pas intelligents, ils sont obligés de venir insulter. Ça, c'est grave quand même pour certaines personnes. Hein. Donc, excusez-moi, je vais rappeler, voilà la vidéo même qui est là. La vidéo a été interrompue. C'est pourquoi vous n'avez... Voilà cette vidéo-là. Elle est là. Je vais... Première partie. Voilà. Donc, je repasse sur la vidéo. Je repasse sur la vidéo. J'ai pris... Seulement, on a l'impression que je suis en direct. Vous voyez? On se parle. Voilà la vidéo. La langue et la dent peuvent s'embrouiller. Ils sont dans la même bouche. Nous sommes des frères. Voilà, on dit, c'est marqué, vous regardez la vidéo en direct. Vous voyez? C'est la... Toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Et puis, ça se coupe. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Donc, ça va, chérie? Et dedans, papa est en train de faire. Donc, je ne sais pas comment je peux. Je ne sais pas comment je peux gérer ça. Ouais, je ne sais pas comment je peux gérer. Je vais venir, je finis ici. Vraiment, vous parlez dans mon direct, là, ça ne me plaît pas. Hein. Quand je suis en direct comme ça, là, il y a des paroles, je parle. On dit cliquez ici pour voilà. Et la dent peuvent s'embrouiller. Attends, j'appelle mon administrateur. On va voir ce qu'on peut faire. C'est toute l'Afrique qui est en danger. C'est toute l'Afrique qui est en danger. Et puis ça se coupe. Donc c'est ce que les gens entendent. C'est ce que les gens entendent et ils ne savent même pas de quoi ils parlent alors que j'ai dit beaucoup de choses. Alors je suis sur l'ordinateur là. Ouais, dis-moi ce que je peux faire. On va régler ça rapidement, sinon je vais supprimer. Ouais, je suis sur l'ordinateur. Ok, il y a ton nom qui est en bleu. Hein? Il y a déjà abonné. Il y a une cloche et puis il y a 3 points de suspension. J'ai pas compris. Si tu peux aller doucement pour moi, s'il te plaît. Il y a ton nom qui est en bleu. Bon, je vais sur la page où... Tu cliques sur le direct même. Je clique sur le direct, d'accord. Ouais. Mais le direct, c'est sur la page officielle que j'ai fait. Officielle. Ok. Juste la page officielle. Ouais, j'ai cliqué sur le direct, oui. Et puis tu as... J'ai cliqué. Et
Quand tu appuies sur le direct, tu vois Éminence, non? Maréchal. Attends, j'ai cliqué. Ouais, j'ai cliqué, oui. Éminence Maréchal, oui. Nous sommes tous des Africains. Et tu vois déjà abonné? Je vois. C'est toute l'Afrique. Où ça? Déjà abonné où? Oui, juste après Éminence Maréchal en bleu, il y a déjà abonné qui suit. Moi, c'est écrit en noir. Éminence Maréchal est en direct. C'est ce que je vois ici. Maintenant, après, il y a déjà abonné. Ça y est, la deuxième option. Deuxième option. Option. Ouais. Déjà abonné, déjà abonné, déjà abonné. Le Mac là, c'est compliqué. J'aime pas. C'est pourquoi j'aime les ordinateurs simples. Éminence Maréchal est en direct. Moi, je vois pas déjà abonné. Hein? Okay. Mais après ça, est-ce que tu vois trois points de suspension? Je vois les trois points de suspension. Appuie sur les trois points. Clique sur les trois points. J'ai appuyé. Qu'est-ce qui sort? Modifier la vidéo. Copier le lien. Supprimer la vidéo. Signaler la vidéo. Maintenant, la vidéo, quand il revient avec le clic là-dessus, là, qu'est-ce que ça amène? On dit, nous rencontrons des problèmes. Là, ils m'ont mis pas. Nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. Parce que ça fait pareil. C'est que la vidéo a été censurée. Non, ça peut pas être censuré puisque l'autre vidéo est passée. Ouais, l'autre, c'est déjà bon. Là, il a changé ça. Donc, comment on fait? Est-ce qu'il faut que je supprime cette vidéo? Parce que attendre seulement une seule phrase de tout ce que j'ai dit, c'est pas intéressant. Les gens. Donc, il faut que... C'est ça, il disait tout à l'heure. Donc, on a supprimé. C'est dommage parce que tout ce que j'ai dit a une valeur. Hein? Est-ce que je dois la promouvoir pour qu'ils la mettent en ligne? Qu'est-ce que ça tu penses? Ça sera pareil, hein. on peut pas truc. Soit on attend jusqu'à demain pour voir ce qui va se passer. On attend jusqu'à demain. Oui, demain. On va attendre jusqu'à demain. Avant parce que c'est marqué, nous rencontrons des problèmes pour lire la vidéo, modifier la publication, supprimer, désactiver les notifications pour cette publication, changer la date, épingler en haut de la page, intergérer à un site. Voilà, c'est ce que je vois ici. J'ai déjà envoyé un message à Facebook. Donc, comment on fait? Je laisse comme ça. Non, on laisse ça comme ça, jusqu'à demain. Donc, je laisse comme ça jusqu'à demain pour voir ce que... Donc, disons que ils vont voir, peut-être que c'est... Ils vont prendre le temps de truc, ça va se rétablir, non? Parce que c'est dommage. J'avais dit beaucoup de bonnes choses quand même. Et je n'ai pas gaspillé ma salive comme ça pour rien. Je vais cliquer sur paramètres pour voir. On dit quitter, ça n'a rien à voir. Ici, c'est quoi? Continuer à regarder tout en utilisant Facebook. Ça n'a rien à voir, non? Ouais, ça n'a rien à voir. Bon. Donc, on laisse comme ça, on verra. Hein. Alors, je voulais dire à tous ceux qui me suivent, cette vidéo-là que vous voyez, il y a une seule phrase qui sort là. Vraiment, ne tenez pas compte parce que ça a duré, la vidéo avait duré quand même pendant un bon petit moment. Mais suite à un problème de Wi-Fi, la vidéo a été interrompue. Comme ça a été interrompu, j'ai refait une deuxième vidéo, mais je n'ai pas redit les premières choses que j'avais dit dans la deuxième vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est que cette vidéo, comme c'est pas moi, j'aurais dû la couper. Et je n'ai pas coupé, je l'ai laissé comme ça jusqu'à ça a été interrompu. Ce qui fait qu'on a l'impression que je suis toujours en direct. Je suis toujours en direct. Et vous entendez une seule phrase. Vous entendez une seule phrase, c'est pas intéressant. Moi-même, ça me gêne comme ça que ça soit, mais je ne peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai envoyé un message déjà à Facebook. Je vais voir ce qu'ils vont faire. Donc, mon fils, je vais te laisser. Hein? Okay. Moi, je suis fatigué. Mais quand il regarde ma tête même là, il a besoin de dormir un peu. Je suis fatigué. Je vais te laisser. C'était juste pour expliquer parce qu'il y a des gens qui laissent des commentaires qui n'avaient pas suivi le direct.
Et puis, ils ne savent même pas qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit. Ça insulte pour rien. Ça... Je te laisse, mon fils, je vais couper. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas. Donc, si vous voyez des gens qui viennent insulter pour rien, on laisse la vidéo exprès pour voir s'ils vont rétablir ça. À vous de leur répondre pour leur dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur une seule phrase pour juger tout ce que quelqu'un a dit. Voilà. Ça, c'est les gens qui sont intelligents, sont comme ça, ils réfléchissent. Voilà, moi, je suis fatigué. Là, j'ai envie de dormir. Là, mes yeux, ma tête, tout ça, là, je suis fatigué même. Je suis très fatigué. Même le direct que j'ai fait, là, c'est pour régler certaines choses parce que je n'ai pas envie de supprimer ma vidéo. J'espère que d'ici ce soir ou demain, ça va se rétablir. Ceux qui ont suivi, par exemple, si quelqu'un a suivi, il y a des gens qui enregistrent deux fois des vidéos. Si quelqu'un a suivi qu'il a enregistré, hein, si quelqu'un a suivi qu'il a enregistré, il peut, par exemple, balancer. Comme ça, je vais reprendre la vidéo pour la rebalancer, puis supprimer celle-là. Maintenant, si quelqu'un n'a pas enregistré, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Mais les gens qui laissent des commentaires, s'il vous plaît, répondez-les. Moi, je suis fatigué même. Je suis là, il y a sommeil. Vous savez, j'ai eu une frayeur hier. J'ai une de mes filles qui est au Togo. On m'a écrit, on m'a appelé hier pour me dire qu'elle était morte. On m'a écrit pour me dire qu'elle était morte. On m'a envoyé le message. Tout son quartier était en train de pleurer. Elle avait mal au ventre. On l'a envoyée à l'hôpital. Et quand on l'a envoyée à l'hôpital, elle a perdu l'âme. Elle a perdu l'âme à l'hôpital. Donc, ils l'ont envoyée à la morgue. Ils l'ont envoyée à la morgue. Elle était dans la chambre froide déjà. Prêt à passer à... C'est-à-dire, ils allaient l'enterrer. On m'a écrit, on m'a appelé hier pour me dire que ma fille est morte. Elle est au Togo. On m'a dit qu'elle est morte. Tout son quartier pleurait. Et moi, quand on m'a annoncé cette nouvelle, ce que j'ai reçu, c'est que parce que son papa était un homme très riche du Togo. Son papa avait des magasins dans le grand marché du Togo. Donc, son papa a délégué tout l'héritage à cette fille-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à partager l'héritage et c'est elle qui a presque tout. Donc quand moi j'ai reçu ce message, j'ai compris que les gens avaient empoisonné ma fille ou on l'avait lancé un sort pour qu'elle meure. Comme ça la famille va prendre l'héritage. J'étais triste depuis hier, malgré que je faisais des directs pour vous, tout ça là. J'étais triste. Et j'ai prié. Aujourd'hui je prends mon WhatsApp, je regarde, elle est connectée. J'ai envoyé un message, j'ai dit, mais qui a le téléphone de ma fille? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Et puis elle répond, elle dit, papa, c'est moi. N'aie pas peur, c'est moi. J'ai dit, comment c'est toi? On m'a appelé hier pour me dire que tu es morte. Est-ce que toi, tu es une morte, peut parler au téléphone? J'ai dit, appelle-moi en vidéo. Je veux te voir de mes yeux en vidéo. Elle m'a appelé, j'ai commencé à parler avec elle. J'ai dit, mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, papa, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre. On m'a envoyé à l'hôpital. Quand on m'a envoyé à l'hôpital, j'ai eu une crise. J'ai perdu connaissance. J'étais morte même. On m'a pris, on m'a envoyé à la morgue. Ce sont les gens qui sont à la morgue qui ont pris mon téléphone, qui ont commencé à écrire à tous mes contacts pour dire que j'étais décédé. Mes parents sont venus à la maison. Tout ce qu'ils voulaient, c'était la clé de ma maison. La clé de la voiture, tu voulais prendre tout. Ils ont oublié que j'ai une fille qui est là. Ça dit que pour eux, j'étais morte. C'était fini. Mais quand on m'envoie dans la chambre froide, c'est comme si quelqu'un venait me réveiller. J'ai commencé à tousser. J'ai commencé à tousser dans la chambre froide. Et puis, ils sont venus, ils m'ont mis, comment on appelle les trucs pour faire respirer les gens là. Moi, je suis fatigué, je ne sais même plus comment parler maintenant. Ils lui ont mis l'oxygène. Ils lui ont mis l'oxygène, ils ont commencé à truc. Donc, elle s'est réveillée. Elle dit que quand elle est arrivée, on l'a ramenée, elle est arrivée au quartier. Du début du carrefour de son quartier jusqu'à chez elle, tout le monde la regardait comme fantôme. Les gens avaient rempli sa cour. Les gens étaient en train de pleurer chez elle. Parce que c'est une fille qui a un cœur. C'est une fille qui rend service aux gens. Les gens étaient en train de pleurer. Donc, elle m'a envoyé même des preuves. Elle m'a envoyé des preuves. Voilà le certificat. Le certificat que... Enfin, le truc qu'on lui a donné.
Ça dit par rapport à l'héritage. Elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé. Hein? Elle est en train de construire tout ça. Elle m'a tout envoyé. Hein? Comment je peux faire? Elle est en train de construire à cause de tout ça là. Voilà, elle est en train de construire à cause de tout ça. Ils ont voulu la tuer. Voilà. À cause de tout ça. Elle m'a même envoyé la photo de la voiture qu'elle venait d'acheter. À cause de tout ça, ils ont voulu la tuer. Elle m'a même envoyé un audio. Hein? Papa, comment tu vas? Je suis voilà. Allô, papa, comment tu vas? Je suis un peu malade, mais ça va, papa. Dieu merci. Dieu merci, papa. Ça va. Mm-hmm. Ça va. Dieu merci. Mm-hmm. Papa, c'est moi-même, c'est ceci. Je suis un peu malade, mais ah, grâce à Dieu, je suis un peu malade, c'est grave même. Voilà. Jusqu'à je me suis réveillée à la morgue, mais ouais. Par la grâce de Dieu, je suis là. Voilà. Papa, ne t'en fais pas là. Papa, je suis là pour toi. Ah. Je suis là pour toi. Je sais que tu, chaque jour que Dieu fait, tu pries. Et tout le souhait que tu viens, tu veux que ça arrive dans ma vie. Ça a déjà arrivé, je continue à faire ça. Et acheter une voiture pour toi, c'est ça que j'ai envie. Et puis en plus, je fais un chantier. Je vais t'envoyer tout ça, c'est à cause de ça. Comme avec le détestoir, machin et tout, mais maintenant ça va, papa. T'inquiète pas, je suis là, papa. Mmh. Voilà ça. Et moi, je les réponds. Si c'est toi, faut m'appeler. Oh. Ça fait 3 jours que je suis triste. Le monsieur qui fait Zemiga, là, que je t'ai présenté, il m'a appelé. Il dit qu'on lui a dit que tu avais mal au ventre. Tu es parti à la morgue. Tu es parti à l'hôpital. On dit que tu es mort. Il dit, ah, c'est quelle nouvelle ça? Moi-même, il me préparait à aller voir ma fille. Donc, je suis resté triste. J'ai dit ça à ma femme. J'ai dit ça. Donc, aujourd'hui. Voilà. Il a appelé. Et j'envoie le message. Si c'est toi, pardon, faut m'appeler. Je vais te voir en vidéo pour être tranquille. Elle m'a acheté même une voiture. Elle est en train de construire. Et j'ai appris qu'elle est décédée. Mais papa, Dieu merci. Ne t'en fais pas là. Tu as vu? Dieu merci, elle est vivante. Ça m'a un peu bousculé. Tous les appels de allons aux voyants, les réceptions. Moi-même, je suis fatigué. Aujourd'hui, là, mais quand quelqu'un m'appelle, quand il y a des gens qui écrivent les messages, c'est comme si même je réponds avec colère. Je suis pas. Je suis pas trop truc. Voilà. Donc, bref, je vais pas continuer à parler. Je vais couper le direct. Je voulais vous dire simplement pour ceux qui regardent cette vidéo-là, je vais vous la remontrer. J'aimerais que vous qui êtes sur Facebook fassiez comprendre aux gens que c'est une vidéo qui a été interrompue. Je ne suis plus en direct. Parce que quand on voit, on a l'impression que je suis en direct. Je ne suis pas en direct. Voilà, je ne suis pas en direct. Et puis, je ne peux pas faire un direct pour dire un seul mot. Donc, réfléchissez les gens qui viennent insulter, s'il vous plaît. Voilà, moi-même, là, je suis un homme aussi. Hein. Je me fatigue. Je suis un homme. Je me fatigue. Je suis fatigué même. Je suis fatigué. Là. Quand on dit que quelqu'un est fatigué, là, je suis fatigué même. Voilà. Peuvent s'embrouiller, voilà ils sont dans la même bouche. Nous sommes des frères. Voilà ça. Nous sommes tous des Africains. Voilà. Et c'est toute l'Afrique qui est en danger. Voilà. C'est toute l'Afrique. C'est tout. C'est coupé. Donc, quand tu regardes en haut, on dit je suis en direct. Là, par exemple, il y a 18 vues. Hein? Mais par contre, je ne suis pas en direct. Donc, je vais laisser ça comme ça. Peut-être que Facebook va établir. Si Facebook n'a pas établi, je serai obligé de la supprimer. Voilà. Je serai obligé de la supprimer. Mais heureusement, j'en ai parlé un peu dans la deuxième vidéo. Donc, s'il y a des gens qui laissent des commentaires parce qu'ils ne comprennent pas, d'autres viennent insulter. Des Africains, on dit Afrique en danger, ils insultent. Wow. Moi, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a mis dans ce genre de combat-là. Franchement, je suis fatigué même. Je suis trop fatigué. Je suis fatigué. C'est, même quand tu défends les gens, même ils viennent t'insulter là. C'est... Bon, Dieu merci. Ma fille n'est pas morte. Je ne vais pas aller faire funérailles. Dieu merci. Voilà, ça c'est vraiment la meilleure bonne nouvelle que j'ai reçue dans la journée. Vous voyez, elle a acheté une voiture, elle a garé là. C'est la voiture de son papa.
hein, pour ne pas que, tu vois, elle a garé, elle est en train de construire, hein, voilà. Les gens ont voulu la tuer. Je suis un peu malade, mais ça va. Papa. Voilà. Dieu merci. Mmh. Faites papa, confiance en Dieu. Va. Hein. Ça va. Cette fille-là, je l'ai sortie de loin. Pas, c'est moi-même, c'est ceci. Je suis un peu malade. Je l'ai sortie de loin. Ah, grâce un à jour, Dieu. Je vous avais rendu un témoignage. C'est grave même. Je vous avais rendu un jour un témoignage en disant qu'un jour j'étais là et puis l'Esprit de Dieu m'a dit sors. Je suis sorti. Et puis j'ai appelé un de mes fils. J'ai dit, accompagne-moi dans tel quartier. Je ne connaissais pas le quartier. C'était au Togo. Et c'est un quartier où se trouvaient des filles qui se livraient, des trucs comme ça. Et puis je suis passé devant une fille. Puis je me suis arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Et puis il a commencé à prophétiser sur sa vie. Je lui ai dit, non, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Dieu va faire des choses pour toi. Attends, attends, attends. Elle a commencé à pleurer. Et puis après, elle m'a raconté toute sa vie. Et depuis ce jour, elle m'a pris comme un papa. Elle est sortie de la rue. Sa vie a changé. Elle fait son petit commerce. Elle s'occupe de son enfant. Elle vit sa vie tranquille. Elle va à l'église. Elle prie. Chaque jour, elle m'appelle. Elle me demande des prières. Quand quelque chose ne va pas, elle me demande des conseils avant de le faire. Sa vie est rangée. Et pour elle, là, je suis toute sa famille. C'est grâce à moi qu'elle est sortie de toutes ces choses. Et quand j'apprends que cet enfant-là, cette fille-là est décédée, ça fait mal depuis 3 jours. Mais le Seigneur, par sa grâce, l'a réveillée. Le Dieu d'Atia normal, c'est un Dieu. Quand j'ai appris, je n'ai pas pleuré, hein, mais j'étais calme, j'étais tranquille. J'ai dit, je sais que ce sont ses parents qui l'ont lancé un sort. Et j'étais en prière. Ce matin, je prends mon téléphone, je vois qu'elle est connectée sur WhatsApp. J'ai dit, qui a le téléphone de ma fille? Est-ce que c'est ma fille? Elle dit, oui, papa, c'est moi. J'ai dit, comment c'est toi? J'ai dit, appelle-moi en vidéo. Elle m'a appelé et puis elle m'a raconté tout. C'est à la morgue qu'elle a été ressuscitée. À la morgue. À la morgue. Elle-même le dit ici. Hein? Jusqu'à, je me suis réveillée à la morgue. Je me suis réveillée à la morgue. Attendez, je vais recommencer. Ah, grâce à Dieu, je suis un peu malade. C'est grave même. Jusqu'à, je me suis réveillée à la morgue, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Mmh. Voilà. Papa, ne t'en fais pas là. Papa, je suis là pour toi. Ah. Mmh. Ne t'en fais pas, je suis là. Je suis là pour toi. Je sais que tu, chaque jour que Dieu fait, tu pries. Et tout le souhait que tu viens, tu veux que ça arrive dans ma vie. Ça a déjà arrivé, je continue à faire ça. J'ai acheté une voiture pour toi, c'est ça que j'ai envie. Et puis en plus, je fais 8 chantiers. Je vais t'envoyer tout ça, c'est à cause de ça. On m'avait jeté des sorts, machin et tout, mais maintenant ça va, papa. Voilà, voilà, voilà. Donc, si c'est toi, faut m'appeler. Les parents voulaient tuer les enfants. Ça fait 3 jours. À cause d'héritage. Triste. Mon, le monsieur qui fait. Pourtant, elle a une fille qui a 8 ans. Moi, je m'inquiétais, je dis, mais la fille, là, comment elle va faire? Je dis, mais je ne suis pas, comment elle va faire? Est-ce que je peux l'adopter? Les parents, je suis sûr qu'ils vont m'attendre. Et la preuve, elle m'a dit aujourd'hui, quand elle m'a appelé, qu'ils ne sont même pas occupés de la fille. Tout ce qui les intéressait, c'était la clé de sa maison, la clé de la voiture. Tout ce qui les intéressait. Oui. Hein? Je dis, vous embrouillez les gens. Vous êtes ici en France, vous vivez là, vous le faites dans votre pays. Mais tu appelles pourquoi même? Tu n'as pas de. Oui, mais tu appelles pourquoi? Pour insulter? C'est pour insulter, tu as appelé, il a raccroché. Quelqu'un qui appelle, 107, il appelle, et puis il raccroche. Parce qu'il a cru que j'allais l'insulter. Hein? Oui, mon ami. Il faut continuer. Hein? Tu es appelé pour insulter, il faut continuer. Après le bip, veuillez enregistrer votre allô? Enregistrement. Vous pouvez raccrocher ou presser la touche 1 pour plus d'options. Alors,
numéro c'est 07 58 70 22 07 58 70 29 75. C'est un gros lâche. Parce qu'il a appelé pour insulter en 2 secondes et puis il a disparu. Voilà son numéro. Voilà. Voilà son numéro. Voilà son numéro. Moi, je voulais bien qu'il m'insulte. Je suis prêt à supporter les injures aujourd'hui. Hein? Bon, mon ami, comme tu n'es pas courageux, tu es sur répondeur. Je te remercie pour tes injures. Mais je prie Dieu que tu sois plus intelligent que ça. Parce que tu ne sais même pas à qui tu parles. Je souhaite simplement que tu aies une longue vie. Que tu aies vraiment une longue vie. Que Dieu ait pitié de toi. D'appeler les gens que tu ne connais pas pour insulter. Tu es caché derrière ton téléphone. Tu as parlé en 2 secondes, tu as raccroché. Moi, je voulais t'écouter. Que tu continues de m'insulter. Et puis, j'allais te bénir avant que tu partes. Mais comme tu es un lâche, tu as raccroché, tu t'es échappé. Parce que ça veut dire que même si tu me vois physiquement, tu vas aussi t'échapper. En tout cas, que Dieu ait pitié de toi. Au revoir. Voilà. 07 58 70 29 75. Que tous mes enfants, tous ceux qui me connaissent, appellent ce numéro. Appelez-le. Parlez-lui. Ceux qui veulent l'insulter, insultez-le. Ceux qui veulent même le tracer pour l'attraper, attrapez-le. C'est pas un homme. C'est pas un homme. S'élève comme ça, je vais l'appeler. Et puis il appelle. Hein? Voilà, voilà son numéro qui est là. Donc je parlais de ma fille. C'est un peureux, Christian. C'est un peureux. C'est un peureux. Moi, mais il appelle une deuxième fois encore. Regarde. Allô? Hein? Il est sur répondeur. Hey, ça, c'est un homme. Ça. Quelqu'un qui appelle 2 secondes et puis il raccroche. Regardez. Enregistrez votre message. Après l'enregistrement. C'est un garçon ça. Raccrocher, pressez la touche 1 pour plus d'options. C'est un garçon ça. C'est pas un garçon. C'est pas un homme. Vraiment. Hein? Des gros caleçons, mais il n'y a rien dedans. Toi, tu appelles quelqu'un pour l'insulter. Il faut rester là. Comme moi, j'ai une bouche autorisée. Je sais que tu vas finir de m'insulter et être béni. Mais ma bénédiction va te faire du bien. Voilà. On est en train de parler des choses sérieuses pour insulter les gens. Bah, les gens, vous voyez, quand les gens meurent bêtement, on dit les morts d'accident de voiture, c'est plus réveillé matin, les trucs. Voilà. Les gens qui ont le courage d'insulter les gens qui ne connaissent pas. Tu ne sais même pas le monsieur qui est assis là, il y a quoi derrière lui. Tu te lèves matin comme ça et puis tu appelles. 2 secondes, tu insultes et puis tu disparais. Là. Il a son numéro qui est là. Peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent puisqu'il y a le numéro. J'en ai fini avec lui. Donc, je disais que la pauvre fille, les parents allaient prendre tout, mais sa fille là, je m'inquiétais. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Pasteur Deo, tu es là, sois béni. C'est ma fille du Togo là-haut. Ils ont annoncé, tout le monde a annoncé qu'elle était morte. Ma fille qui était au Togo, ils ont annoncé qu'elle était morte. Ça fait 3 jours, j'étais triste, mais je ne voulais rien dire aux gens. Et aujourd'hui, là, elle vient de me dire qu'elle s'est levée à la morgue. C'est à la morgue qu'elle a été, elle s'est levée. Tout son quartier est étonné. Ses parents même n'osent même pas s'approcher, tellement ils ont honte. Ils croyaient que c'était fini pour elle. Ils croyaient que c'était fini. Ils allaient avoir tout l'argent, tout l'héritage. Ils allaient... Mais Dieu est grand. S'il vous plaît, croyez en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Voilà, mettez votre confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Et que vraiment, Dieu prenne soin de vous. Moi, en tout cas, pour ceux qui m'insultent là, je bénis votre vie. Je sais que je mène un combat. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui m'envoient des audios pour me dire merci. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce que j'ai dit. C'est pour eux que je suis là. Mais là, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Je ne voulais pas parler beaucoup, mais je vais quand même dire quelque chose avant de couper ce direct. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, ce n'est pas parce que vous allez m'insulter ou me menacer que je vais arrêter de dire mes vérités. Je vais continuer. Je vais continuer de dire mes vérités. Si tu es garçon, spirituellement, si tu es vraiment garçon, va voir un féticheur, va voir un prêtre vaudou, va voir qui tu veux, même un franc-maçon. Faut te lever, tu vas venir. Je vais te montrer dans le ciel, parce que tu vas mourir. Mais si tu es garçon aussi, physiquement là, viens, viens me frapper. C'est tout. Mais pour me dire que je vais fermer ma bouche, tant que j'ai quelque chose à dire, je la dirai. Donc, vous qui insultez, en tout cas, au-delà sûrement, je vais vous bénir ce samedi-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a des gens qui me laissent prier, j'ai fait dans la voiture à l'eau là. Les témoignages qui sont là, il y a une dame, toute sa famille a été visitée à Abidjan. Elle veut envoyer les vidéos parce que ça a été filmé. Tellement Dieu les a visités. Donc, un homme comme moi, vous allez m'insulter, ça va me faire quoi? Mon Dieu est déjà avec moi. Mon Dieu me donne la force. Mon Dieu me donne les moyens. Chaque jour, hier j'étais couché, j'ai fait des songes. Je fais des songes, c'est comme si on mettait l'argent sur mon compte. Je me lève, je consulte mon compte, je monte à ma femme, je dis, regarde, je ne sais pas d'où c'est venu. Je ne sais pas qui a mon compte. L'argent est venu sur mon compte. Je dis, mais chérie, on a tourné, j'ai dépensé beaucoup, je n'avais pas cette somme sur le compte. Regarde mon compte, Dieu prend soin de moi. Même les anges mettent l'argent sur mon compte actuellement. Et puis, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Dieu, quoi? Donc, vos petits injures, vos petits trucs que vous faites, celui qui n'est pas content, ce n'est pas grave. Celui qui est content, gloire à Dieu. Mais, dans ce que j'ai dit, il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens, il y a une femme qui m'a laissé. Est-ce que je peux retrouver ça? Il y a une femme qui m'a laissé des audios. Où est ça? Hein? Est-ce que je peux retrouver les audios de cette maman-là? Il y a une maman qui a pleuré dans des... Est-ce que je peux retrouver? Voilà. J'espère que je vais pouvoir le faire écouter. Écoutez ces gens de parole. Et puis vous allez savoir que le monsieur qui est assis, il mène des combats pour des gens. Vous avez compris? Attendez. Je vais mettre le réseau. Chérie, le wifi, il est toujours activé. Chérie, le wifi est toujours activé. Voilà. Écoutez bien. Écoutez. Elle ne sait pas doucement. Oh, elle pas doucement, hein. Des vrais patriotes. Et ceux-là même qui se donnent au fou, au moulin, qui donnent leur poitrine, qui disent la vérité. Ce n'est pas avec les armes qu'on gagne les élections, mais c'est avec la parole. Vraiment. Pour le courage même que vous avez eu, vous avez enlevé les écailles sur nos yeux. Vous nous avez donné la force de pouvoir s'exprimer. On vous remercie beaucoup. Que Dieu qui veille sur vous, qui veille sur toutes vos familles, sur votre femme, sur vos enfants. Parce que vraiment, vous êtes en train de mener un vrai combat pour que vous ayez un lendemain meilleur. Aujourd'hui, nous sommes en exil, précisément. La suite arrive. Comme ça par milliers. Ça vient d'Abidjan, de l'étranger, des gens me remercier parce que mes paroles leur font du bien. Je suis en exil avec toute ma famille. Aujourd'hui, j'ai problème des nerfs sciatiques. Aujourd'hui, je suis malade. Mais la verrue sur nous, Ouattara a mené un combat. On a verrue sur nous qui sommes
les pauvres babous qui sont en exil au Togo. Mon fils, je souffre. Je souffre. En tout cas, jusqu'à présent, je suis couché. On n'a pas assez aux soins, on n'a pas assez à la nourriture, on ne peut pas. Et on souffre. Notre fille est exposée au soleil. Je n'ai pas un bon portable pour pouvoir fumer même le camp pour te balancer. Vraiment. Nous dormons dans des maisons en clair. Si je te montre les images, tu vas avoir les larmes aux yeux. Nous sommes livrés comme ça à nous-mêmes. J'ai pris mon enfant. Si tu as un bon portable, expédie-moi. Je veux, tu vas voir ma vie. Merci, je vais suivre. L'écran là est touché, mais je vais essayer d'appeler les jeunes. Comme je l'ai fait, ils vont nous montrer. Là, je vais suivre. C'est pour ce genre de choses que Dieu m'a appelé. Pour les gens qui souffrent. J'ai des audios comme ça. Sur WhatsApp. Sur Facebook. Sur WhatsApp. Sur Facebook. Des audios. Des audios. Écoutez ça. Écoutez. Allô, papa, comment tu vas? Je suis un peu malade. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais. Nous sommes toujours en ligne avec. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça est sur ce téléphone. Ça est sur ce téléphone. Est-ce que ma secrétaire, là, tu peux me transférer sur mon deuxième téléphone l'audio que tu m'as envoyé de la femme qui a été visitée hier par la prière? Ouais, là, c'est un moment de causerie on est en train d'avoir. Je suis fatigué, mais j'ai bien envie d'expliquer certaines choses à certaines personnes. Moi, je ne viens pas m'asseoir pour avoir des vues. Ça ne m'intéresse pas même. Aider les gens, c'est ça qui me fait vivre. Donc, quand vous venez insulter là, réfléchissez. Même quand vous défendez un candidat ou bien vous défendez une cause, réfléchissez deux fois. Et puis, dites-vous ce. Est-ce que le combat qu'ils mènent, c'est pour la politique ou bien c'est pour les gens qui souffrent? Est-ce que Dieu est le Dieu des orphelins? Est-ce que Dieu est le Dieu des pauvres? Est-ce qu'il y a réellement des gens qui souffrent? C'est pour eux qu'ils parlent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim? C'est pour eux qu'ils parlent. Posez-vous, parce que je ne défends aucun. Je ne fais pas de politique. Je ne suis même pas là. C'est-à-dire, pour moi, tous ces politiciens sont pareils. Mais moi, la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'exilé, ceux qui ont faim, ceux qui sont en prison pour rien, ça, c'est mon combat. Je peux mourir pour ça. Vous pouvez venir m'insulter comme qui n'a pas été courageux de se présenter. Tu n'as pas été courageux, qui a parlé deux secondes. Et ça, je lui pose la question, tu es venu pour insulter. Et puis, il s'est barré vite fait. Vous voyez, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un problème. Les injures, là, je suis vacciné. Je suis vacciné. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. J'aime mon pays. J'aime l'Afrique. J'aime le noir. Je souhaite le bonheur et la paix dans mon pays. Que l'orphelin soit heureux. C'est pour ça que j'ai donné mon cœur à Dieu. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à Dieu. Donc si ce combat-là dérange certaines personnes, je ne suis pas vos pasteurs qui ne se soucient pas des autres. Je ne suis pas les pasteurs qui attendent des enveloppes, des politiciens. Je ne suis pas et je ne serai pas hypocrite. Je resterai tel que je suis. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Je resterai comme ça. Et je préfère rester comme ça et mourir comme ça. Je ne suis pas pauvre. Et je ne dis pas aux gens que je suis millionnaire ni milliardaire. Je mange à ma faim. Je m'habille comme je veux. Je prends soin de ma famille. La voiture qui me plaît, j'achète.
Oh, va loin là. La voiture qui me plaît, je vis comme je ressens le bonheur que Dieu m'a donné, je le prends. Je ne demande pas à Dieu de me rendre milliardaire et je ne demande pas à Dieu de me rendre pauvre. Tant que je peux être libre de survivre, de vivre et d'aider mon prochain, ça me suffit. Je ne vis pas pour courir après l'argent, après les gloires de ce monde. Ce sont des choses que je laisserai ici un jour et que je m'en irai. Donc, tant que je peux faire du bien à mon prochain, je le ferai. Si je n'aime pas la politique d'Alassane, c'est mon droit. Si je n'aime pas le comportement d'un politicien, c'est mon droit. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde ne peut pas être ensemble. Vous ne pouvez pas obliger tout le monde à aimer une personne. On peut obliger, on peut même Dieu même, il oblige. Dieu laisse les gens être libres. Celui qui veut être animiste, l'animiste. Celui qui veut être féticheur, le féticheur. Celui qui veut être musulman, il est musulman. Celui qui veut être chrétien, il est chrétien. Dieu nous laisse libres. Donc ce n'est pas un être humain. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas un être humain. On va nous obliger à l'aimer. On ne peut pas obliger tout le monde à aimer Gbagbo. On ne peut pas tout le monde obliger tout le monde à aimer Soro. On ne peut pas obliger tout le monde à aimer Alassane. On ne peut pas obliger tout le monde. Et on ne peut pas aussi obliger tout le monde à m'aimer. C'est normal que des gens ne m'aiment pas. C'est tout à fait normal. C'est leur droit de m'aimer. Tout le monde ne peut pas m'aimer. C'est normal. Je l'assume. Je l'assume très bien. Je suis en l'assumant. Je ne demande pas à tout le monde de m'acclamer. Je ne demande pas à tout le monde de m'applaudir. Ce que Dieu a choisi pour m'aimer, pour me soutenir, pour m'encourager, viendront vers moi. Jésus lui-même, sur cette terre-là, il n'a pas été aimé par tout le monde. Même les gens à qui il a donné à manger, certains se sont levés contre lui. Ceux qui ont dit, Jésus, m'a bien, après avoir mangé du pain et du poisson, les mêmes personnes ont crié, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Jésus lui-même, là, il a nourri des gens, ces gens lui ont fait du mal. Même Judas, Jésus l'a nourri, Judas a livré Jésus. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que c'est arrivé à Jésus et puis ça ne va pas m'arriver à moi? Ceux qui étaient dans la foule, qui disaient crucifie-le, crucifie-le, là. Certains ont mangé le pain, certains ont mangé le poisson, mais malgré ça, ils disaient crucifie-le, 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 crucifie-le. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Jésus chassait les démons. Les gens disaient, tu chasses les démons par le fils des démons, par le prince des démons. C'était Jésus, de serviteur du diable. Ils l'ont tué. Quand il a été ressuscité, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Les disciples de Jésus même sont morts. On les a lapidés, on les a brûlés. Donc les disciples de Jésus même, on les a, comment on appelle, on les a brûlés, on les a lapidés, on les a jetés dans des endroits bizarres, mais ils ont continué à faire l'œuvre. Dans ce monde où nous sommes, il faut savoir quelle est ta destinée, il faut savoir quel est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et puis, quelles que soient les épreuves, il faut aller jusqu'au bout. Peut-être qu'un jour, je serai récompensé. Peut-être que les mêmes personnes qui m'insultent aujourd'hui, un jour viendront me soulever pour dire, ah, si on savait. Écoutez-moi bien. Lorsque l'aveugle Bartimée est en train de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient, tais-toi, 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 ferme ta bouche. Mais ce sont les mêmes personnes qui après sont allées le chercher pour lui dire, prends courage, il veut te voir, prends courage. Ce sont les mêmes personnes qui t'insultent aujourd'hui peuvent t'acclamer demain. Les mêmes personnes qui te jugent aujourd'hui disent que tu es bien. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont dit que Soro Guillaume était diabolique? Aujourd'hui là, certains ne sont pas en train de supporter Soro Guillaume. Il y a des gens qui étaient contre Alassane, ils sont avec Alassane aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient contre Gbagbo, ils sont contre Gbagbo aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient contre Bédier, ils sont contre Bédier aujourd'hui.
C'est ça, la vie. Certaines personnes aujourd'hui sont chaudes, ils insultent, mais demain, peut-être, ils vont se dire là, pendant que ça n'allait pas, il s'est sacrifié. Il a fait ceci. Peut-être qu'un jour, j'aurai de l'honneur. Si Dieu veut, il veut me prendre avant, il va me prendre avant. Et peut-être qu'un jour, je vais m'asseoir. Et puis, c'est difficile. Mais on est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont réconciliés. Aujourd'hui, il y a la paix dans notre pays. Aujourd'hui, il y a la tranquillité. Aujourd'hui, tout le monde est à l'aise. Peut-être qu'un jour, certaines personnes reconnaîtront que ce monsieur est pour son pays. C'est tout. Et si jamais même personne n'a reconnu, ce n'est pas grave. Ma conscience est tranquille. Donc, ceux qui veulent m'insulter là, en tout cas, c'est votre rôle. Continuez à insulter. Ceux qui veulent m'attaquer, continuez à attaquer. Ceux qui veulent me menacer, continuez à menacer. Vous jouez votre rôle. Satan joue son rôle. Jésus joue son rôle. Les démons jouent leur rôle. Les anges jouent leur rôle. Chacun a son rôle sur cette terre. Jouez votre rôle. Moi, je joue pour moi. Mais je ne vais même pas m'occuper de vous parce que vous avez votre rôle et moi, j'ai le mien. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, je me suis levé de très bonne humeur. Je me suis levé tranquille et zen. Je me suis levé avec un esprit paisible. Si vous avez remarqué parmi tous les directs que j'ai fait aujourd'hui, j'ai insulté qui? Je suis tranquille. Je pense à mon Afrique. Je pense à mon pays. Je pense aux pauvres. Et je dis à Dieu, libère-les. Moi, je suis en France. Je suis en Europe. J'ai tout ce que je veux. Je ne suis pas misérable. Je ne suis même pas obligé d'ouvrir ma bouche pour l'Afrique ou pour qui que ce soit. Non, même pas pour la Côte d'Ivoire. C'est mon amour. C'est mon cœur qui fait que je me livre. C'est mon cœur qui fait que je me mets en danger pour les autres. Sinon, on ne me paye pas pour ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'être tranquille. J'ai besoin d'être à l'aise. Mais je me sacrifie pour mon prochain. Lorsque Jésus a prié, avant de monter au ciel, il a dit, Seigneur, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il dit, ceux que tu m'as donnés, c'est pour eux que je prie. Et je sais que Dieu m'a donné des gens. Je sais qu'il y a même des politiciens qui m'admirent, qui me regardent de loin, ils ne disent rien. Je sais qu'il y a des gens dans l'armée qui m'admirent, ils me regardent de loin, ils ne disent rien. Je sais qu'il y a des policiers qui m'admirent, ils me regardent de loin, ils ne disent rien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'admirent, ils me regardent de loin, ils ne disent rien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes partout qui me suivent et qui disent ce monsieur-là, c'est une bonne personne, ce monsieur-là, mais ils n'osent pas en parler. Et je sais ça. Je sais que si tous ceux qui me suivaient voulaient se mettre sur mes directs, ça allait des milliards et des millions de vues parce que je fais du bien à beaucoup de personnes. Moi-même, je le sais. Mais il y a des gens qui ne se prononcent pas. Il y a des gens qui sont tranquilles. Il y a des gens qui sont calmes. Des médecins, des policiers, des gendarmes, des politiciens. Ils m'écoutent. Même ils se disent, c'est un homme de Dieu. Il est différent des autres. Mais ils n'osent pas parler. Ils sont dans le calme. Et puis ils me regardent. Peut-être qu'un jour Dieu me récompensera. Ou peut-être que Dieu me prendra avant ma récompense. Mais j'ai joué mon rôle sur la terre. Franchement, c'est tout. Mais m'insulter, en tout cas, si ça vous donne quelque chose à vous, faites-le. Voilà. Si ça vous donne l'envie, si ça vous donne de l'argent, faites-le. Moi, ça ne me retire rien, en fait. Ça ne me retranche rien. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Voilà. Peinard, paisible, à l'aise. Vous comprenez? Donc, je vais couper le direct parce que je bloque tout le monde. Je suis chez ma belle-mère. En tout cas, elle est très gentille. Elle respecte mon intimité. Même quand je fais les directs comme ça, elle à côté, elle n'ose même pas parler. Elle est dans son coin. Elle me respecte beaucoup. Et voilà, là, mais je dis, je vais couper. Elle me dit, continue, tu vois. Elle me dit, continue ton truc, tu vois. Et voilà.
Que vraiment Dieu vous bénisse. Alors je vais vous dire, frères et sœurs, avant de terminer ce direct, croyez en Dieu. Suivez votre chemin. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, croyez en Dieu. Suivez votre chemin. Ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Ce n'est pas tout le monde qui va vous accepter. Mais Dieu, à partir du moment où Dieu vous aime, à partir du moment où Dieu vous a accepté, c'est l'essentiel. Persévérez. Ne baissez pas les bras. Dans cette vie-là, si tu refuses de te battre, tu ne peux pas avoir de victoire. La victoire vient après la bataille. Aujourd'hui, je suis ennemi de beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui prouve qu'en 2021, je ne serai pas ami de beaucoup de personnes? Qu'est-ce qui prouve qu'en 2022, je ne serai pas célébré comme un roi dans mon pays? Qu'est-ce qui prouve qu'un jour, mon nom ne sera pas dans une rue de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui prouve? Peut-être même que si tout ça n'est pas arrivé, que quelqu'un un jour ne fera pas un livre sur moi. Parce que j'ai osé être moi-même. J'ai osé être naturel. Ce n'est pas une joie de faire ce que je fais. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une vie, j'ai un ministère. Je suis heureux en France. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez où je suis. Regardez. Regardez où je suis. Regardez. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Mais regardez, je suis peinard. Je suis peinard. Il y a même des photos que je vais vous partager bientôt. Ou de ma tournée en France, je suis peinard. Bon, comment quelqu'un qui est peinard comme ça peut passer son temps à faire des directs pour mettre sa vie en jeu, pour avoir des injures, pour avoir des gens qui l'attaquent? Il a quoi dedans? J'ai quoi? Mais est-ce que je suis maso? Je suis suicidaire? J'ai quoi dedans? J'ai quoi dedans pour faire ça? Mon cœur. Quand quelqu'un souffre, ça me fait souffrir. Quand quelqu'un a faim, j'ai faim aussi. Quand quelqu'un a soif, j'ai soif. Toute ma vie, ça a été comme ça. Ceux qui me connaissent, même avant d'être chrétien, quand je suis là, que je vois un cortège funéraire, je pleure. J'ai donné ma vie à des gens. Je me suis livré. Pour des gens. Vous avez compris? Là, je suis en vacances. Je suis dans un camping. Le camping là, c'est l'argent. Vous avez vu le camping-car. Vous avez vu la voiture à côté. Je suis à l'aise. Je suis en vacances. Normalement, je devrais profiter de mes vacances sans direct, sans même appeler quelqu'un, sans faire quoi que ce soit. Mais je reçois les gens téléphoniquement pour prier pour eux. Quand des gens se lèvent sur Facebook, je suis milliardaire, je suis millionnaire, j'ai des maisons, j'ai ceci. Moi, j'ai tout. J'ai même des terrains. Mais j'ai certains terrains, j'ai dit aux gens, faites des églises dessus. J'ai tout. Même au pays, j'ai tout. C'est parce que j'aime pas brandir. J'ai tout. J'aime que des fois, on croit que je suis pauvre. J'aime, même ceux qui me connaissent, je partais à Abidjan. Au lieu de dormir dans des hôtels 4 étoiles, je préfère dormir dans une petite chambre, dans un petit salon chez quelqu'un que je connais. Et puis je prends mon argent pour le donner, pour qu'il mange. J'ai dormi dans un orphelinat pour que mon argent puisse servir aux orphelins à manger. Au lieu d'aller dormir dans un grand hôtel. Dans un grand hôtel pour dire j'ai la belle vie, louer les grosses voitures. Des fois j'ai marché à Abidjan. J'ai pris Gbaka, pourtant je viens de la France. J'ai pris taxi. Je suis assis à côté des gens. Des gens me regardent. Ils se demandent, mais lui là, il fait quoi à côté ici? L'argent est rempli dans ma poche, dans mon portefeuille, sur mon compte. Mais je suis là, avec eux. Je descends, je prends un autre bacard, je descends. Je pouvais louer voiture, je pouvais me faire le fafaro, tout ce que vous voulez. Mais quand je vois quelqu'un manger, avec le peu d'argent que j'ai, au lieu de donner ça que dans un hôtel, de donner ça dans une grande résidence, mon cœur réjouit de voir quelqu'un heureux. J'ai adopté des orphelins. Oui, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Quand vous ne connaissez pas les gens, j'ai des terrains. J'ai des terrains en Côte d'Ivoire. J'ai la terre.
Je viens d'une famille royale. J'ai plein de choses. Mais je ne marche pas avec ça. Je préfère faire ça. Avoir. Et puis je suis content d'avoir. Et puis quand j'ai, je donne, je partage, je distribue. C'est ça ma vie. C'est pourquoi je prends mon temps pour les gens. Combien de bishops vous pouvez appeler à n'importe quel moment? Combien de pasteurs vous pouvez contacter comme ça facilement? Combien d'hommes de Dieu prennent leur temps? D'hommes est fini de prendre ton offrande. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis ça s'arrête là. Je prends le temps pour écouter les gens, pour parler aux gens, pour aider les gens. Parce que je sais qu'un jour, j'aurai ma récompense. Ça va chérie? Tu vas où? D'accord. Tu es bien habillée là? Tu vas avec maman? D'accord. Donc vous voyez, que Dieu vous bénisse. En tout cas, la vidéo que vous voyez actuellement, qui est comme si elle était en direct, c'est vraiment une erreur. Je ne suis plus en direct. Donc ne perdez pas votre temps sur cette vidéo. Si quelqu'un commente, dites-lui que c'est une vidéo qui a été interrompue, que j'avais dit beaucoup de choses. Donc, qui ne s'appuie pas sur deux mots, deux paroles là, pour faire n'importe quoi. Vraiment, je vous aime. Je voulais même profiter de quelle heure là. Et quelle heure? Chérie, vous partez? Et quelle heure même? Il est 17h23. Je voulais profiter qu'on fasse notre prière là, mais je vais attendre. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. J'avais voulu profiter qu'on fasse notre direct de prière, mais je vais me reposer un peu. Je vais attendre vers les 18h-19h30 de France. On va prier un peu. Voilà. Mais que Dieu vous bénisse. Et puis voilà. Hein. Et puis ceux qui me suivent là, si je fais des erreurs de foi, pardonnez-moi. Hein. Moi, je suis un être humain. Hein. Je ne cache pas pour moi. Je suis un être, mais je suis naturel. Quand j'ai envie d'insulter, je vais insulter parce qu'il faut qu'on insulte deux fois pour que quelqu'un comprenne qu'on a une bouche aussi. C'est tout. Voilà. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis naturel. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Voilà. Donc, si deux fois je choque des gens, en tout cas, pardonnez-moi. Mais prenez-moi comme ça. Pour ceux qui me suivent là, prenez-moi comme ça. J'ai appelé ma secrétaire hier, après le direct. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas Dieu. Il dit, quelqu'un qui vient d'insulter les gens toute la journée, je fais un direct, et puis l'onction descend sur moi comme ça, ça descend sur les gens pleurent chez eux, les gens tombent. Je lui ai dit, mais pourquoi Dieu même là, il a quelle alliance avec moi? Je disais ça hier à ma secrétaire. Moi, il disait, mais qu'est-ce qui se passe même? Dans la journée, j'ai fait 3 directs où j'ai attaqué les gens, j'ai insulté même. Et puis, j'ai fait direct de prière, quelques minutes après, l'onction est là. C'est quel genre de personne? Elle dit, mais papa, ton Dieu là, vraiment, il est avec toi. Et il y a une femme qui m'a envoyé un audio. Elle dit, chez elle, l'onction est descendue. Ses enfants pleuraient. Tout le monde pleurait. J'ai eu plein d'audio hier pour le petit direct qu'on a fait en voiture là. Les gens ont été bénis. Si j'ai dit même, il y a un direct de témoignage là, ça va être rempli de témoignages. C'est pourquoi peut-être le dimanche, aujourd'hui on va faire un direct, je vais vous bénir encore. Puis le dimanche, on va faire un direct de témoignage. Tous ceux qui ont un témoignage à rendre vont rendre leur témoignage dans ce direct. Voilà, le dimanche. Ça sera le dimanche l'après-midi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup pour moi aussi. Voilà, priez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Parce que la chair là, quand c'est fatigué là, c'est pas bon. Et puis, c'est un être humain. Voilà. Donc, mes chers politiciens, vous qui êtes RHDP, PDCI, RDR, tout. En réalité, en tant qu'humain, je ne vous déteste pas. Vous êtes mes frères. Je prie pour des musulmans. Il y a des musulmans qui m'appellent. Je prie pour eux. Il y a des musulmans qui m'appellent. En tant que pasteur, je prie pour eux. Il y a des enfants spirituels qui sont musulmans. Donc, je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas contre quelqu'un qui est du nord, qui est du sud, qui est tout. C'est une histoire, un système politique qui me dérange. Donc, vous qui êtes du RHDP, vous qui êtes du RDR, même vous qui êtes de Gore, si certains propos ne vous plaisent pas, prenez ça comme ça. Dites-vous que c'est quelque chose qui est de passage. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. Mais en réalité, en tant qu'humain, je ne vous déteste pas.
c'est le comportement, c'est l'action, c'est les choses qui se passent qui font que je dis des choses, mais je ne suis pas réellement contre vous. Même quand je dis que je n'aime pas Alassane, en tant qu'humain, là, j'aime Alassane parce que si demain il me dit, Bishop, prie pour moi, je ne vais pas dire, je ne prie pas pour toi, je vais prier pour lui. Mais je ne l'aime pas en tant que politicien. Je ne l'aime pas en tant que président de mon pays parce que j'ai l'impression que ses oreilles sont fermées et qu'il n'écoute pas le cri des gens et qu'il en fait qu'à sa tête. Et ça, ça me dérange beaucoup parce que ce n'est pas comme ça que j'ai connu mon pays, de voir des gens qui pleurent, exilés. Voilà une maman, elle est en exil au Togo. Vous avez écouté son audio. Elle a laissé sa maison en Côte d'Ivoire. Elle est au Togo, en train de souffrir avec ses enfants. Quand tu entends des choses, tu vois des choses comme ça, comment tu peux te réjouir en tant que serviteur de Dieu? En tant que serviteur de Dieu. Donc moi je me dis, le pouvoir est venu dans la guerre. C'est le pouvoir qui doit réconcilier les Ivoiriens. C'est le pouvoir qui doit faire qu'on se tend la main. Mais ils n'ont pas compris ça. Ça continue avec la raison du plus fort. J'ai dit non, ce n'est pas normal. Sinon, quand Alassane est devenu président au début, vous m'avez entendu parler? Quand Alassane a fait son premier mandat, vous m'avez entendu parler? Ça fait combien de temps que je parle? Ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans que moi je parle. C'est tout. Dès que j'ai commencé à parler, Gbagbo est sorti de prison, Simon est sorti. C'est tout, c'est dans cette période. Au début qu'il était président, vous m'avez entendu parler? Ça veut dire que je n'étais pas contre lui. Je n'ai jamais été contre lui. Mais quand quelqu'un s'endurcit dans quelque chose, on lui dit, il y a des gens qui souffrent. Laisse rentrer les exilés. On a des frères ivoiriens qui meurent un peu partout. Laisse les prisonniers. Laisse ceci. Fais cela. On lui dit. Et puis le monsieur fait comme s'il n'entend rien. Et je vois mes frères souffrir. Je vois mes frères mourir dans la mer. Je vois mes frères en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Togo, au Bénin. Je vois mes frères ivoiriens, l'ivoirien qui était respecté, devenir comme des moins que rien. Je vois des gens, on a cassé leur maison, ils ont dormi dans le cimetière. Je vois des gens, ils ne sont pas ivoiriens, ils viennent et puis ils nous insultent. Je suis là, je suis révolté. Je dis, je ne peux pas supporter ça. Moi, c'est ça mon problème. Et si ça, ça ne plaît pas à quelqu'un, je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier de défendre la cause de mes frères. Je suis ivoirien. J'ai un sang ivoirien. Voilà. C'est pourquoi je dis, j'aime pas Alassane. C'est pourquoi? Pour sa politique. Son endurcissement, sa raison du plus fort, ça je n'aimerai jamais. Même si ce n'était pas lui, que c'était quelqu'un d'autre, j'allais lui dire mes vérités. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai fini mon petit direct. À tout à l'heure pour la prière. Et que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Merci. Donc, partagez le direct. À tout à l'heure pour la prière. Je vais me charger mes téléphones, me reposer un peu et puis je vous fais signe tout de suite.